Dijon a très mal débuté sa saison. Deux défaites sur les deux premiers matchs pour les Bourguignons. Eux qui sont attendus pour tout de même occuper les premières places du classement de Ligue 2 BKT. Dijon accueille Rodez pour enfin lancer sa saison. Les Ruthénois sont eux auteurs d'une victoire et d'une défaite sur les deux premières rencontres. Dijon évolue avec les joueurs attendus. René dans le but. Congré est en défense. Aline Ville, une des recrues au milieu avec JCP. Jacob est là avec Soumaré à Salé devant. Les Dijonais vont essayer de faire la différence. Mais Rodez débute bien cette partie. Le ballon récupéré par Baptiste René. Mais ils sont présents, les Ruthénois, avec leurs meilleurs joueurs présents. Sanaya, Boades, l'une des recrues, Boissier, Bonnet devant. Ouais, la bonne tentative pour les Dijonais. C'est contré par la défense. Et notamment par le gardien Lionel Passinzao. Rodez résiste. Et il n'y a pas grand chose d'autre en première période. 0-0 à la mi-temps. Dijon a encore déçu. Rodez tient donc plutôt bien le score. Première période intéressante pour les Ruthénois. Et pourquoi pas aller chercher mieux que ça. Les Dijonais sont même en difficulté sur ce genre d'action. C'est juste à côté pour Rodez. Une excellente tentative à ras du poteau. Mais Dijon trouve la solution suite à ce mouvement individuel immense d'Aurélien Scheidler. Quel but de Scheidler avec les jongles pour passer entre deux défenseurs. Puis battre le gardien avec un petit lob astucieux. Passinzao ne peut rien faire face à Scheidler. Le premier but de la saison à la 56e minute pour Aurélien Scheidler. Une superbe réalisation qui peut donner confiance aux Bourguignons. C'est bien parti pour Dijon grâce à ce but. Mais les Dijonais ne parviennent pas à vraiment dominer le match et à mettre le deuxième but. Rodez reste donc dans le match. Nouvelle opportunité pour les Ruthénois avec cette reprise à bout portant de Dembélé entré en cours de match. Puis ce but marqué après 4 minutes dans le temps additionnel par Nassim Ouamou. Premier but de la saison pour Nassim Ouamou. Une très jolie frappe qui permet à Rodez de prendre le point du nul in extremis. Les Dijonais ratent de peu leur première victoire de la saison. Un but partout entre Dijon et Rodez.